La ville de Yangshu est construite sur la rivière ouest de la rivière Li et elle est entourée de nombreux pics calcaires entre lesquels la ville s'est développée. Yangshu a une longue histoire de 1400 ans où le peuple a bien créé sa propre culture. Cette ville a eu l'honneur d'être nommée le premier district de voyage en Chine par le premier ministre Li Peng. Les deux principales rues de la ville partent perpendiculairement de la rivière Li. Elles accueillent de très nombreux commerces à l'attention des touristes chinois et étrangers. Le soir, les rues commerçantes sont très animées. Il y a à peu près 20 000 pains de sucre dans le district. Affluent du Xinjiang, fleuve du sud du pays qui prend sa source dans la province du Yunnan, la rivière Li s'étire sur 435 km. Depuis la cité de Guilin, elle ondule pendant 83 km avant de traverser Yangshu au cœur d'un paysage karstique. Départ pour une croisière sur la rivière Li. La rivière Li est bordée d'immenses rochers aux formes étranges, un paysage grandiose. Il pourrait s'agir des plus beaux paysages de la planète, en tout cas un proverbe chinois l'affirme. La rivière Li, éternelle source d'inspiration pour les artistes, a de tous les temps attiré peintres et poètes au fil des siècles.
Connu en Chine comme l'un des sites les plus beaux du pays, la rivière Li a été classée sur la liste des 10 plus beaux paysages aquatiques du monde.